Assassinat Eric Jean-Baptiste mettez un paquet de monde avec Glonanger. Jeudi à la, nous avons Stanley Lucas, mesdames et messieurs, qui t'a déclaré selon toute recherche qui t'a arrivé faite. C'est une alliance entre gang Vite l'homme ensemble avec Timakak qui t'a arrivé assassiner Eric Jean-Baptiste. Et si yon jouen qui yes, kaptre guide deux groupes armés sa yo, ki oligark, ki kapedeye yo, yap kone exactement qui yes qui assassine Eric. Mais, nous akon sa ki pi drôle dans l'histoire, c'est que Timakak pali. Li démenti formellement déclaration qui t'a arrivé faite comme quoi c'est lui-même qui t'a assassiné entrepreneur, homme politique, Eric Jean-Baptiste. Qui ça qui a passé exactement? Ensemble avec moi, nous prenons des déclarations neg Timakakyo. Puis devant, mesdames et messieurs, encore une autre fois, prophétesse Elisabeth Pentro déclaré que vous m'avez planté sous tête pays d'Haïti et sous tête quelques petites théâtres et de zeni, quelques mouns dans le parti haïtien tête calé PHTK et surtout leader parti politique Petit Desaline, Jean-Charles Moïse. Tendez à quoi cédé ensemble avec moi. Nous prenons attendre déclaration prophétesse ça qui t'a gagné le Saint-Esprit qui descend sous lui. Puis devant nous gagnons, mesdames et messieurs, commissaire gouvernement Jacques Lafontan, avec doyen tribunal première instance Port-au-Prince, Bernard Séville, qui arrivait libérer environ 50 personnes qui étaient en prison depuis plus passé 12 années. Ensemble avec moi, nous prenons attendre déclaration. Yo. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5 chaîne Information Noir avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou à rubrique Information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci, ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage, et merci ensemble avec vous-même qui toujours invite une famille ou un ami ou abonné à Info 5 pour être capable toujours être connecté avec bon information. Jeudi à ce lundi 31 octobre 2022, dernier jour dans le mois d'octobre là, et bien que bagaille difficile en de pays d'Haïti, nous souhaitons et que ou te fait un bagay positif ensemble avec mois d'octobre si là. Et mais bien avant nous entrer dans le développement titio, mesdames et messieurs, faut que nous connaissons que d'après enquête qui a pené la police nationale d'Haïti t'a arrivé mettre de l'eau dans presse nationale haïtienne encore une autre fois pendant que Romerson Vilsain qui c'est un journaliste qui t'a porté support ensemble avec confrère li Robert dimanche qui t'a joué une arrestation hier dimanche 30 octobre 2022 à la commissariat Delma 33 t'a arrivé victime ensemble avec yon coup de bonbonne gaz lacrymogène qui t'a pris la tête et bien malheureusement il a un dernier souffle dans l'hôpital Bernard Meuse. Comme ça, tout, gagné un autre journaliste qui sorti au CAI. Mesdames et messieurs, qui t'a porté support et tout, ensemble avec ancien journaliste Téléradio Zénith, qui arrivait victime en babal, mais jusqu'à présent, la recevoir sur l'hôpital, elle est correcte, elle est épargnée de danger qui t'a gagné. Est-ce que dans ce moment-là, n'a pas une question de chasse aux journalistes en de pays d'Haïti, puisque nous remarquons que la police nationale d'Haïti ont des gens violents ces derniers temps ensemble avec ce qui a passé à la. Laissez pas bandit qui a mangé journaliste, c'est la police qui a retiré la vie. Qui ça nous voulait pour nous faire exactement en de pays ya? Matin, l'autre fois encore, pays d'Haïti levé à genoux. Port-au-Prince a crié. Donc, ça veut dire nous remarquer que guéon froideur dans la rue. C'est comme si c'est un paquet mort vivant qui a circulé dans la rue Port-au-Prince avec environ lio. Est-ce que l'État haïtien, pataka, pour une fois, mes amis, prend responsabilité, suspend kemande, suspend chercher toute journée aide internationale, d'ailleurs, internationale la baye, mais tout qui s'allie gagner pour le faire, pour le dire, à propos de question aide militaire ça que pays d'Haïti lui-même lui a demandé et que les États-Unis focus sur l'IA. Donc journalistes nous souhaitons que nous restions vraiment prudents dans la rien parce que bagala lui-même est vraiment compliqué bien que France Elbe qui dans tête la police nationale d'Haïti qui passait une année sans pas régler rien déclaré que gagner des poursuites qui pourra le faire sous question si là. Élection au Brésil, tout le monde l'a campé et puis capable de saluer victoire de l'homme politique de gauche, Luiz Inácio Lula
Da Silva, mesdames et messieurs, qui brigue yon troisième mandat dans tête présidence pays Brésil. Et c'est une victoire pour tout le monde qui croit dans le changement, pour tout le monde qui croit dans la paix, ensemble avec unité. Encore une fois, vous pouvez nous que l'obscurantisme qui gagne dans la zone Europe, dans la zone occidentale, là, eh bien, gagne espoir. Gagne une lueur qui est capable de permettre ça lui-même, l'éliminer catégoriquement. Donc, tout pays capé, plus capable de saluer victoire, Luis Ignacio Lula da Silva. On rentre directement dans le développement Titio. Samedi qui s'est passé à la, nous lever ensemble avec une nouvelle. Éric Jean-Baptiste, père éternel Loto, l'homme politique haïtien, l'entrepreneur, le pionnier, le militant, arrivé tombé en bas cartouche bandit. D'après constat juge Clément, machine Éric Jean-Baptiste touché par 12 cartouches. Mais Éric prend un seul cartouche dans senti ça qui prend à cause la molle. Et normalement, chauffeur li, en fait, on dit c'est Éric Jean-Baptiste qui t'a conduit machine, God du colis t'est arrivé perdu la ville ensemble avec 3 cartouches. Qui est-ce qui est Éric Jean-Baptiste? Éric Jean-Baptiste fête 13 août 1970 et il mourit à l'âge 52 l'année. À 22 ans, Éric Jean-Baptiste après le marié, ça que famille t'a trouvé, t'es un bagage qui t'est précoce. Mais Éric te répond, yo, crier pour tête d'hôpital parce que moi-même, m'sûr et certain que m'gagne un avenir qui pral briller en pile en pile. Puis mal passé yon étoile qu'a filé dans le ciel. Dans l'année 1990, li te gagné seulement 20 l'année. Éric Jean-Baptiste, mesdames et messieurs, t'a pral lancé première entreprise qui se Père Éternel Loto, qui kounya la toune yon business qui bali en pile l'argent et qui te employé puisse passer 1200 moun. Dans l'année 2016, Éric Jean-Baptiste a proposé candidat pour président pays d'Haïti sous parti qui était relé Mouvement Action Socialiste. Et en 2018, a gagné une première tentative d'assassinat qui a fait sous lui, mesdames et messieurs, côté il était recevoir yo cartouche, mais bon Dieu, t'es kebe la ville, il pat mouri. Et puis devant, Éric Jean-Baptiste Tapral, en 2018, ça encore tourné président RNDP, yon l'autre parti politique. Et Éric Jean-Baptiste, c'est un pionnier. Il était capé en face Minusta, il était capé en face Binu, côté elle te fait connaître que face multinationale, ça yo, pas prégué en yé pour pays d'Haïti. Éric Jean-Baptiste, by plus passé 1200 moun travail. Et dans le moment n'a parlé à la, il y a un paquet moun qui pral au chômage après assassinat crapuleux Éric Jean-Baptiste. Ça nous qu'est bien dans l'histoire, ça, mesdames et messieurs, après toute déclaration Eric, après tout travail que Eric lui-même lui fait dans le pays à côté de mourir comme ça, qui soit qui réservé ensemble avec l'autre petit citoyen, yo? Qui soit qui réservé ensemble avec ou même, ensemble avec moi-même, ensemble avec famou, parce que pays ça nous remarquait que lui décide de manger tout le monde qui gagne cerveau, yo. L'idée c'est de manger tout ça qui a capacité pour camper en face yo paquet oligarque, en face yo paquet moun qui décide pourri senti pays d'Haïti. Qui donc, ça qui étonne nous dans l'histoire, c'est que, eh bien, DCPJ, commissaire gouvernement Port-au-Prince, mesdames et messieurs, commissaire gouvernement Port-au-Prince, t'a mandé pour Esaü César avec Louko Désir paraît devant la justice puis vient répondre question puisque yo te gitan wè yo complot qui t'est fait sous dos Éric Jean-Baptiste. Mais pour qui ça jusqu'à présent nous pas jamais relé sur Laura qui t'est déclaré que président Jovenel Moïse a mouri. Mais Jovenel mouri, est-ce que dossier Jovenel Moïse a lui-même li pas intéressé nous? Valè prophétesse qui a bay prophétie sous pays d'Haïti? Qui tu arrivé, qui tu pas arrivé, nous pas j'aimerais les yo. Pour qui ça je dis à la, nous focus sur ça. Est-ce que nous voulons penser que, et mes moun qui te soit disant gagne tigeant ça dans tête li, li te connaît exactement complot. C'est pas ouais, mais elle te connaît, il te participer la donne pour yon vin bay explication. Je dis à la, il y a une série de bagay qui pi urgent, qui pi pressant en de pays d'Haïti, nous supposer focus sur yo. Ça qui a passé à la, ce bagay qui terrible.
D'après la déclaration Stanley Luca, mesdames et messieurs, d'après un article que lui produit, lui t'a fait connaître que c'est Alliance Gang Vite l'Homme ensemble avec Timakak qui t'a arrivé assassiné Eric Jean-Baptiste immédiatement au jeune qui oligarque qui campait derrière groupe armé ça yo la facile puis capable connaître qui est qui met politique économique qui campait derrière assassinat Eric. Mais ça Stanley Luca dit c'est pas ça gang Timakak lui-même lui répond. Ensemble avec moi, entendez des déclarations gang Timakak. Tout le monde a parlé, il dit que c'est Nek Timakak qui a tué Eric Jean-Baptiste. Pendant, et nous connaissons depuis Boutillier, Rivé, Kafou, nous connaissons tout ça pour tout ouvrir, malgré qu'il y a cité en l'air, il mettait tout dehors, crasé caillou, et puis il voulait un petit coup nous dans la zone Obéry. Pour y arrêter. Tout le monde connaît qui m'a fait une bataille intégrée à Missy. L'État haïtien connaît, ni chef de la police, ni ministre, ni sénateur, tout le monde connaît. Ces batailles, ça m'a fait tout. Mais dans le moment où l'âme vient de tout, virer barre la soumène, je veux virer la politique soumène, lui font bataille politique avec moi. Pour jouer une force la police là. Pour venir nous avec nous, pour venir suivre la population, on a fait ça. Et le massacre a fait dans la boule. Le journaliste huissier, ça a eu un peu de valeur. Sans hésiter, il y a tout dit, il n'y a pas de mal. Tout ça a fait dans la boule, là, au niveau de la boule, la Pétionville. Il y a dit, il n'y a pas de mal. Elle dit au pays où vous faites travail ça même. Malgré tout le monde qui m'a fait bataille, ça, c'est une bataille intégrée. Je dis tout le monde qui connaît, ministre connaît, chef de la police connaît, pas jamais une intervention qui fait. Au contraire, c'est eux-mêmes qui mettent la bonne avec ça. Ils ont cherché force la police. Ça. Ils ont proposé de dire nous c'est gang, nous c'est bandit. Pendant que nous avons gommé pour intégrer nous. Nous avons gommé pour intégrer nous. Parce que monsieur n'a pas dit, et puis l'un de là, si nous avons en mettre de l'un dans Tarazi. Nous avons dit Tarazi à tout, en Thomas Saint-Viré. C'est tout qui contrôle tout ce qui est ça. Le chef gang lui-même, tout le monde connaît déjà. Tout le monde connaît Edgar, chef gang lui. Je ne vais pas jamais citer non. Non, rien. Bon, mes citoyens mourir là, bon, journalistes eux-mêmes, sans hésiter encore, je dis c'est nous qui tuons les citoyens, si c'est Eric Jean-Baptiste. Mais nous-mêmes, haïtiens, qui les n'a pas changé? Qui les n'a pas suspendu courir de Timonet? La petite Timakak, ne voit lui montrer que lui innocent. Mais est-ce que nous capables d'innocenter? Yo chef gang. Est-ce que nous capables de camper pour nous dire chef gang, ça n'a pas fait ça vrai, mais c'est Etel qui a fait tout bon. Mais après toute déclaration, ça yo, parce que ce n'est pas pour la première fois que y a accusé gang Timakak et Timakak a accusé Toto Borlette. Pour qui ça pas gagné une enquête qui l'ouvre. Nous tout la connaît que la justice si même, c'est affaire pas la prégler là. C'est cause pas la gérer, mesdames et messieurs, sous question. Ou enquête pour l'ouvert, puis on connaît qui est-ce qui a assassiné, puis on connaît qui est-ce qui fait ça, qui est-ce qui pas fait ça. Tout le monde connaît ces mentis qui a bail. Je dis à là, les nous assassiner, yon visionnaire, nous assassiner, yon pionnier, yon entrepreneur, tant que Eric Jean-Baptiste, nous créer plus gang en de pays, nous créer plus chômeurs en de pays, yon pays qui pas offrir personne rien, yon pays, mesdames et messieurs. D'ailleurs, nous m'a dit ça. Nous pas offrir pays à rien. D'ailleurs, pays à lui-même, ils sont bagailles qui campent là. C'est nous-mêmes qui constituons pays à. C'est nous-mêmes qui, ensemble, d'éléments qui fait pays à. Qu'on est là, je dis à là, qui s'en a fait, qui résultat, que n'a pas. Qui donc, Eric Jean-Baptiste, jusqu'à présent, mourit pour détruire. Pas de enquête qui parle abouti pour connaître qui est-ce qui a assassiné, qui est-ce qui pas assassiné. Gardez jusqu'à présent, il y a un juge qui a plus passé 5 mois. Sous dossier assassinat Jovenel Moïse, pas gagné qui fait. Eh bien, moun kafou, mesdames et messieurs, te décide de mettre pied à terre, puis te capable de demander l'État haïtien prend responsabilité yo, parce que yo perdit yon papa.
entendre et en suivre ensemble avec moi. Jean Sali même, il était déroulé. Nous prenons dehors parce que nous disons fatigués à créer un bandit illégal. Nous bouquons à kidnapping. Nous bouquons à l'incertitude qui est dans le pays. Depuis plus de 9 mois, le pays a vu nous négocier. Peuple après la rue, nous avons dit nous lancer la mobilisation. Nous avons la mobilisation lancée parce que son seul pays à nous gagner. Éric Jean-Baptiste est un entrepreneur qui gagne plusieurs personnes qui ont travaillé chaque jour en dans pays a. Ça qui fait là, ça veut dire jodi a pral gagner un ensemble de moun qui pral nan chômage face avec tombé Éric Jean-Baptiste là. Si jodi a n'te gen dirigeant, ça krivial pata privé pour insécurité ça privé jodi a. Nous mandé jodi a pour sans Éric Jean-Baptiste ba nous force pour nous goumer pour nous pas dire pral joindre justice non, mais pour ça pas continuer fait en dans pays a. Nous-mêmes, dans Kafou, ça fait nous camper parce que nous connaissons que c'est Bassan, c'est là, monsieur grandit, là, monsieur fait, il y a plus de activité, ça veut dire nous dit, nous ne pas quitter ça passer comme ça. Et ça fait depuis matin, nous levé, nous dit que, puisque nous sommes quittés dans nos missions, nos missions déjà, nous avons mis contre insécurité, contre problème pays, problème gaz, problème toute la vie chère, problème corruption, problème Ariel qui crée dans le pays. Et ça fait, je dis encore, nous ne pas gagner ça dans le plan, nous, pas de débat entre rêves, nous recamper plus raide pour la plus belle, parce qu'il nous dit, fuck, nous finissons avec insécurité. Non, pas monsieur Robert Jean-Paul, nous sommes membres RDNP. Alors que nous faisons partie du parti politique de président Éric Jean-Baptiste dirigé. Et je vous dis, et nous condamnons les actes qui sont faits sur Éric Jean-Baptiste, et qui est un entrepreneur dans la communauté, qui a baillé le pays en service, et qui a baillé jeunes garçons, jeunes femmes, emploi dans le pays. Et tout le monde fermé dans le Kafou, tout le peuple là, c'est campé pour la caillou, et il y a qui blonde dans les yeux, parce que son nègre, c'est un communal levé, qui a baillé le service dans la communauté, dans notre pays. C'est un monde qui respecte les gens, et c'est un monde qui est toujours prêt pour supporter les gens, payer l'école pour tout le monde, qui va à l'école, et contribuer dans toute activité sociale qu'a fait dans le pays. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes gardés. Je salue Mitéye dans le Kafou, ailleurs, 30 octobre 2022. À qui donc là, la justice nous souhaitait ou prendre responsabilité ou pressé. Puis devant, nous gagnons Moïse Joshua qui t'a gagné la ville en danger. Selon sa prophétesse Elisabeth Pentro lui-même raconté. Et Edozeni, s'il va faire attention, pral de cause dans la République. Ensemble, entendez, déclaration prophétesse là. Ha! Baga yo compliqué en de pays ya. Yo compliqué tout bon vrai. Entendez. C'est quand y a chat ta kamasse, l'ori yo toko. Gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire, Yeshua Mashiach, Lord. Gloire, yo sotto come yashere, alléluia, gloire. Assemi di alléluia, go. Acaba sara, alléluia. Oh, tia, tia, famiglia, senti, se. Santo, vaya, clè, gloria, attacca, mashè. O, sorio, to come l'orio. Gagne l'autre côté toujours dans le pays qui a tombé sans faire personnalité. Faut que très très prudent. N'a demandé ensemble avec tout responsable PHTK pour être très prudent et pour prier ou bien ça y a servi à pour servir fort et parce que par contre tumulte au niveau de parti PHTK qui est capable de causer des dérives. Gagne l'autre tête toujours dans le pays qui doit être prudent. Et en fait, sur réserve, je n'ai pas fait personnalité, mais nous avons fait une mobilisation avec toute la nation haïtienne pour nous dire vigilant. Vigilant, prier, veiller. Veiller, prier. Parce que il y a des ennemis et qui ont plusieurs tactiques de bataille. Et dans la tactique de bataille, ça, maman petite, serrer ceinture, mari ceinture, papa petite, mettez ceinture, mettez garçon sous vous. Si vous pas sorti, si vous pas besoin de bagages importants dans la rue, à pas sorti. Parce que avant de gagner sur vol de paix, a toujours continué à gagner des dérives sous le pays. Dérives, vous avez comment sous forme de l'eau, du feu, comment ça vient? Oui, pour avoir l'appui en pile qui pourrait tomber, moi pas connais qui ça les cas produit parce que profession t'es toujours dit gagner un phénomène qui est pour passer mais jusqu'à présent m'a pas la voilà Dieu beaucoup j'aime révéler qui gens phénomène ça lui même il a fait et des gars qui a fait ravage sauf que Dieu toujours a dit a bien plus monde toujours cap mourir a bien pile monde cap mourir dans pays donc ce sont les plus violents qui s'en emparent, ce sont les plus violents qui seront sauvés. Merci pour faire ton tour. Alors là, nous disons les plus violents, ça ne veut pas dire des gens qui ont armé, mais qui ont exercé
yon autorité et de non droit, mais n'a pas les deux en violence et positif. Voilà. Tout le temps nous pouvons finir avec ça, yo. Sincèrement, pays d'Haïti pas faux pas. Question pour un monde en éclévé, il fait au filmel pour la dzou, l'éternel te dit, papa bon Dieu te dit qui ça, yo te dit, fuck nous suspend. Parce que si nous pas suspend ensemble avec genre de bagay ça yo, n'a privé loin. Travail ça que pays d'Haïti besoin là, son travail de base que lié. Travail là supposé commencer par en bas pour déraciner toute vieille herbe qui pas bon yo. En tout cas, Moïse Jean-Charles, ou tendez déclaration prophétesse là, ou a dégagé ou pour qu'on ait qui soit prêt à faire, à qui ça ou pas fait. Parce que prophétesse là lui-même lui parle, pays d'Haïti pral tout noir, go pa kat moun ki pral pontikal, après ça, tout bagay pral changer, tout bagay pral calmer en de pays. Ya ki donc pep haïtien, nous gen l'espoir. Nous met continue chita croiser pied nous, retan pour bon Dieu lui-même, à travers prophétie li, sauver la vie nous. Et même puis devant, nous gagnons, eh bien, commissaire gouvernement Port-au-Prince Saint-Jacques Lafontaine, avec doyen tribunal première instance dans juge Bernard Saint-Ville, mesdames et messieurs qui a bail plus explication sous plus passé. 50 moun yo arrivé libéré qui était dans prison depuis passé 12 l'année. En suivant, déclaration yo ensemble avec moi. Avos judiciaires sont lancés. Et je pense que depuis après l'ouverture du travail judiciaire, c'est le premier travail normalement nous fait dans le tribunal. Donc maintenant, il commence avec une audience habeas corpus. Et suite à un plan de contingence et programmatique sous détention préventive prolongée. Et cette fois-ci, doyen à moi-même, deux chefs de juridiction, nous voulons que réellement, détention préventive prolongée, c'est une question sérieuse et nous prend la cœur et faut nous capables de travailler sur lui de manière efficace. Et nous venons tout juste de donner l'exemple suite à conclusion paquet à bras et avec décision séance tenante. Alors, le texte a dit séance tenante, mais c'est audience tenante. Audience tenante doit en décider comme le prévoit l'article 26-1 de la Constitution et les décider. Mettre en liberté Mounzaïo, qui passait pour la plupart là-dedans, presque une dizaine d'années en détention. Donc maintenant, et plan contingent ça, ce n'est pas de Moulvini ni de doyen, c'est en fait l'autorité de l'État qui mettait en commission sous pied, et primature, ministère de la Justice, et nous gagnons BINU, nous gagnons Sénal, OPC, qui sont deux organes de l'État, et Sénal et OPC, et l'autre. L'autre entité, nous gagnons avocat qui là, dans Baroua, et qui avec nous gagnons BINU, pour me citer non seulement, et qui te ba nous des encadrements techniques qui te permettent nous espace pour nous faire rencontre ça, yo, des rencontres, nous avons dit presque statutaires, pour que nous soyons capables de arriver aujourd'hui à tenir audience à bien ça. Donc maintenant, nous gagnons une liste de, je crois, de 49, hein, 50 de détenus et ils ont fait en faveur, ils ont fait habeas action en habeas corpus pour ça et aujourd'hui hein, nous dit travaux ont lancé et n'a gagné suite ces premières séries audience qui fait aujourd'hui hein, n'a gagné audience correctionnelle et n'a gagné criminel nous en train de mettre en état des dossiers et pour que nous capable passer dans l'autre mais quel autre dossier a venir tout audience civile a venir tout ne serait-ce que pour nous permettre avocats qui pas des salariés yo touché cob à partir de dossiers clients bayo. Et finalement, après 3 ans passés, je pense que vous avez presque rouillé, vous avez presque perdu connaissance de la procédure. Et je dis à faire appel au ralliement des avocats pour vous joindre avec moi, avec doyen, pour nous capables enfin relancer les travaux judiciaires et pour que tout le monde soit capable de reprendre code pénal, code civil pour nous travailler ensemble. Procédure. Et on l'a décodé, donc ça veut dire que nous avons tout ça qui n'est pas bon en de pays. Mesdames et messieurs, éphéméride nous pour jeudi 31 octobre 2022. Qui ça qui t'est passé le 31 octobre en Haïti? 31 octobre 1906, c'était mariage président Louis Borneau ensemble avec Hélène Saint-Macaire. Eh bien, Hélène, c'était troisième madame Borneau qui devint président pays d'Haïti 15 mai 1922. Mariage ça, t'es gué trois timoun qui fait, qui c'est Madeleine, Henri, ak Simone Borneau.
Puis devant, mesdames et messieurs, 31 octobre 1929, mesdames et messieurs, eh bien, ça t'apprend le début grève étudiants agriculteurs de Damiens. Grève, ça t'apprend après une tournure politique, les que l'autre étudiant t'a décidé mettre ensemble avec étudiants Damiens, yo, pour être capable de manifester, pour être capable de lever copé. Et début grève ça ensemble avec l'affaire Manche à terre le 6 décembre 1929, mesdames et messieurs, t'apprends pousser Forbes réaliser une enquête pour être capable d'évaluer tout dégâts qui t'est fait. 31 octobre 1941, il y a un décret qui t'est voté pour être capable de créer Bureau national d'ethnologie de la République d'Haïti qui t'est conçu en cours un établissement de recherche, de vulgarisation et de sauvegarde du patrimoine qui t'apprend à œuvrer dans le domaine ethnologie ensemble avec archéologie, mesdames et messieurs. Cette tâche t'est confiée ensemble avec Bureau Silla. Un, inventorier, classer et conserver pièces ethnographiques et archéologiques. 2. Investigation méthodique et protection des sites archéologiques. 3. Mise sur pied de yon musée, côté nous t'apprends à conserver objets qui t'est venu directement de la campagne de rejet. 4. Développement de l'enseignement de l'ethnologie. 5. Publication d'un bulletin comportant résultats recherche que Bureau Ethnologie t'apprends à faire à travers recherche. Et jusqu'à présent, nous capables de garder pas de musée qui créé, pas gagner bureau qui a conservé quoi que ce soit, qui donc l'État haïtien lui-même patrimoine ça, lui fait yon l'autre bagaille ensemble avec lui. Mesdames et messieurs, proverbe de pour aujourd'hui, c'est chaille saute sous tête, lui tombe sous épaule. Et cela nous met des bouts à rubrique pour aujourd'hui. Merci d'être que like, commenter, partager. Merci d'être que vous êtes invité en famille ou en amis. Abonnez à Info 5 pour être capable de bonnes informations. Nous vous rendez-vous pour la prochaine sur cette rubrique. Ça, restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.